du riding, mon gars. Là, les gars, je vais vous montrer le 100% de mon potentiel. On a vu, mec. Mieux, je pouvais pas faire. Putain, mec. Il est né avec le snowboard dans les pieds. Il est fusionnel avec cette planche, c'est une continuité de ses pieds. Il est né comme ça, il a toujours adoré ça et je ne peux pas dire le pourquoi. Il est né avec ça, c'est une passion, c'est génétique chez lui. Sa maman avait cherché un moniteur pour lui et du coup on a accroché. Lui et moi c'était très instinctif, on s'est vu. Et on s'est apprécié, mais du jour au lendemain en fait. Depuis, on s'est pas trop lâché. On a commencé sur le domaine de Grand Montana, snowpark tout simple. Après, on a remarqué qu'il fallait un petit peu. Voir plus loin. Alors, on avait dû voyager un petit peu pour trouver d'autres matières, d'autres lieux d'exploitation. Puis là, on s'est découvert les deux. On était des freestylers fous quoi. On mangeait tout ce qu'on pouvait prendre, on découvrait les seaux, on les ouvrait. Il avait un style posé à 8 ans, c'était tellement incroyable de voir ça. C'est ce qui nous a tous choqués en fait. C'est qu'il avait une aisance, une facilité dans son freestyle. Pour la partie plus technique, j'ai vu que j'étais un peu pénalisé. Puis là, ben, Yann, c'est un autre de mes collègues qui a lui pris la relève pour le halfpipe. Je me rappelle bien de Pat, la première fois que je l'ai vu au chalet à Cremontana. Sa maman me l'a présenté. Pat, pour moi, c'est quelqu'un de spécial. Déjà, c'est une passion sans limite pour le snowboard. Je me rappelle qu'il attendait que je vienne le chercher devant l'école. Quand il faisait son sport études à Grosne, il attendait que d'aller rider. Et il pensait qu'à ça, il rêvait ça. Un passionné qui s'entraînait comme un fou. Et au premier abord, ça ne se voyait pas parce que ce petit garçon tout calme, tout timide dans son coin. Et puis une fois qu'il était sur un snowboard, c'est là qu'on voyait qu'il s'exprimait vraiment. On voyait sa vraie passion et c'était assez incroyable. Ouais. Je me rappelle bien des premiers pas de Patrick dans le halfpipe. Donc il avait déjà quelques notions, mais ensemble, je lui ai appris les premières rotations. Et c'est vraiment des bons souvenirs de me dire qu'il a appris un peu le pipe avec moi et que maintenant il est qualifié pour les Jeux Olympiques. C'est une consécration et je suis vraiment super heureux pour lui. Après, je me rappelle d'un contest à Anzer où je suis arrivé avec mon petit Pat qui avait 12-13 ans. Et il a fait les qualifications de la course, c'était un slopestyle. Et puis bien sûr, il a battu tout le monde, quoi. Tout le monde était halluciné, mais c'est qui ce jeune, il sort d'où? C'était un peu l'extraterrestre. C'était sympa quoi. You know, he was a quiet, calculated kid. Was a kind of no hype. It's like he was always thinking. You know? So I think it was, you know, of course, concentrated on being, you know, as good as humanly possible. But at the same time, he was never afraid to come and ask a question or ask you advice or even ask how you're going. You know, not many of the kids would come up and say hi, how are you today? It was in 2009 at the Champs. And he was in the final of the slopestyle and he was by far the youngest rider. Pour moi, je suis content parce que c'est vrai qu'ils sont plus âgés, mais moi j'ai de la chance que je peux rider avec des pros aussi, puis c'est ça qui est bien.
Le souvenir que j'ai du jour où j'ai connu Pat, bah, c'est en fait une journée de snowboard. On remontait le télésiège du Pas du Loup en pleine semaine. Et puis je demande à mon voisin, mais c'est qui ce petit jeune qui s'entraîne sur le Pas du Loup un mardi alors que tout le monde est à l'école? Et là il me répond, ouais c'est un petit Pat Bourguenaire là qui s'entraîne en pleine semaine. Je dis, ah bah tiens c'est cool ça, il faut croire qu'il a vraiment envie puis que les parents sont derrière. Sur cette même piste, la piste du Pas du Loup avec un Pat Bourguenaire avec son entraîneur Yann Imboden qui lui expliquait en fait comment passer les flips, donc backflip, front flip, et qui s'entraînait en fait dans une cuvette naturelle, puisqu'à ce moment-là on n'avait pas tellement de snowpark du côté du Pas du Loup. Et pour moi ça a été un souvenir assez marquant, et puis je trouvais la méthode, l'approche vraiment super intéressante. Je l'ai connu à Burton European Open à Lax. Lui faisait la compétition pour les juniors jusqu'à 13 ans. Donc j'arrive, il me présente Pat. Il était au start de la compète de slopestyle. Et c'était une journée qui n'était pas vraiment le top. Au niveau du temps, c'était un petit peu mauvais, il y avait un petit peu de neige, un petit peu de brouillard, un petit peu comme ça. Non? Et moi, je lui ai demandé tout de suite comment ça va, qu'est-ce que tu veux faire. Et il m'a expliqué un petit peu le truc qu'il voulait faire. Et moi, tout de suite, j'ai vu qu'il voulait le faire sur le parcours, le grand parcours, avec les gros sauts. J'ai dit, mais je veux rien dire, mais Pat, peut-être c'est mieux que tu fais tout bien clean sur le medium line, parce que quand même avec du vent, ça peut vraiment être difficile sur les gros. Non, je veux aller sur les gros. Il l'a fait sur les gros, il est tombé, il s'est blessé un pied. Là, je ne l'ai plus vu jusqu'à le soir ou même le jour d'après. Et quand je l'ai vu, j'ai noté tout de suite qu'il me regardait d'une autre façon. Une façon dans le sens de me regarder comme, toi tu le savais. Alors toi tu as quelque chose que moi je pourrais avoir. Il avait déjà à l'époque, je me rappelle, une sorte d'intelligence technique, qu'il savait déjà qu'est-ce qu'il fallait faire. Une personne, un jeune qui recherchait lui les solutions, quoi. Il voulait savoir, c'est lui qu'il voulait, il voulait beaucoup. Je me rappelle une anecdote, qu'une fois j'avais encore à l'époque une caméra avec une hard disk, et c'était plein toute une saison. Et je l'ai donné à Pat parce qu'il voulait tout le temps voir les vidéos de tout le monde, aussi les autres, pour comprendre, pour prendre quelque chose justement. Et là c'est aussi un talent là-dedans, de vraiment vouloir prendre de tout le monde. I started riding with Pat like 10 years ago when we were 13 years old, and turned out that he like got a really good friend of mine, and we like every year we ride together, like all the time pretty much we travel together, and it's always a really interesting journey with him. So I think what makes him special is that if he likes something or he wants something, he goes for it like 100%, you know. It's not many people do that. So he likes snowboarding, he like everything in his mind goes in that direction. Or now with the music, it turns out really good. That's because he's really going for it, and I think that's what makes him special. Je pense que la famille est une grande partie de réussite de Pat. On l'a beaucoup entouré, il sentait qu'on faisait, il pouvait compter sur nous, et se ressourcer, c'était son nid. Dès très jeune, il a dû partir avec Swiss-Ski, il se déplaçait dans le monde entier. Donc on ne l'a plus eu à la maison depuis l'âge à peu près de 12-13 ans. Là, quand il revenait à la maison, c'était vraiment le lieu où il se sentait bien, où il se sentait à la maison, où il se sentait ressourcé. Donc nous, on a fait beaucoup en tant que parents. Les frères déjà ont supporté une situation qui n'était pas facile pour eux. Je pense que Pat, son parcours a été ascendant en flèche jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Après, de 18 à 20, il a passé par une période de vide où il a eu pas mal d'accidents, 21 même. Il a eu 2-3 ans de galère où il a été pas mal accidenté. Se blesse plusieurs fois, ça fait du mal au cœur, ça fait du mal parce que tu sais qu'il a un talent, tu sais qu'il pourrait
être devant, faire les résultats, être heureux. Et puis ça passe les accidents et ça, ça fait mal aussi aux entraîneurs, à tout le monde. Quoi. On les vit mal, mais de l'autre façon, on sait que quand l'athlète il revient, quand il travaille tellement dur pour revenir, il vient plus fort. Il vient plus fort, il vient avec une conscience plus grande. Donc après, on sait qu'après des blessures, ça vient la bonne période, le moment qu'après tout ça passe bien et on peut progredir et faire des résultats. Quoi. Et je pense que la présence de la musique et de Maxime, son frère, dans sa vie ont été primordiales. Ça a permis à Pat de réintégrer la musique dans sa vie, surtout quand il y a eu cette blessure avant les Jeux Olympiques de Sochi et qui était très difficile pour lui parce qu'il y était, il y touchait à ce rêve. Et ça a permis à Pat de prendre de la distance avec son sport aussi et de voir que quand il y a du sport, bah, il le fait à outrance, mais quand il n'y a pas le sport, bah, il fait la musique à outrance. Et ces deux mondes se sont complétés. Mentalement, et c'est vraiment un long travail qui part il y a 10 ans, quoi, peut-être, même plus. Et c'est toute une sorte de puzzle que dans ta carrière, tu chaque fois, si tu as le big picture, si tu as vraiment cette vision d'ensemble, tu commences à travailler sur toutes ces pièces du puzzle et au bon moment, on peut vraiment voir après l'image. Et lui, en mettant ensemble les puzzles, il est arrivé à montrer dans le run de la finale de Halfpipe aux Jeux Olympiques le dessin complet. 7 dessins, parce qu'il y en aura encore plus, des plus grands, des plus beaux. Et donc, à partir de jour d'après la finale des Jeux Olympiques, on commence déjà encore à travailler sur des pièces de puzzle. Mais on le fait avec une confiance. Pat, il va le faire avec une confiance qu'il sait que la méthode, ou la manière, ou la philosophie qu'il a, maintenant, ça lui apporte vraiment des résultats.